Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, faut-il relooker son bien avant de le vendre? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Bonjour Marc. Ma réponse est oui. Ranger, nettoyer, rafraîchissez ou relooker votre logement avant de le mettre en vente. Je n'y vois que des avantages. Oui, relooker un bien immobilier peut permettre d'accélérer la vente, voire même de la déclencher, mais attention en aucun cas de faire grimper le prix. Le prix du marché est celui auquel il devrait se vendre. Mais pour déclencher les visites, puis les coups de cœur, votre bien doit donner envie et permettre aux futurs acquéreurs de s'y imaginer, y vivre. Ranger votre bien, le désencombrer comme lui donner un coup de peinture permettra de le valoriser, de mieux présenter ses volumes et de le rendre plus spacieux et lumineux. Aidé d'un agent immobilier, vous pourrez aussi bénéficier de photos réalisées par des professionnels, d'une visite 360 degrés, permettant aux futurs acquéreurs de se plonger au cœur de votre bien, pièce par pièce, et même de s'y projeter dès leur première visite sur le web. Enfin, sachez qu'un achat immobilier se décide en moyenne dans les 90 premières secondes d'une visite. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté pour faire immédiatement bonne impression. Attention, inutile de réaliser des gros travaux ou d'investir dans une décoration coûteuse qui ne seront pas forcément du goût de votre acheteur et qui ne vous permettront pas de faire exploser le prix de vente. L'objectif est seulement de séduire les acheteurs potentiels par une ambiance neutre et épurée, celle qui permet de se projeter dans le bien. Voilà, maintenant à vous de ranger et de donner un petit coup de pinceau. Merci Frédéric Fougera et on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficiency by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia à la semaine prochaine.